Moi, je vais vous prendre l'exemple du Cameroun. Les attaques avaient commencé au large du Cameroun, du Gabon et la Guinée équatoriale en 2007-2008. Nous avons réussi à dynamiser une stratégie de la CEAC et ensuite à implémenter ça dans 4 états pilotes de la zone, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe. On a tout de suite vu qu'au bout de 1 an et demi, il n'y avait presque plus d'attaques dans cette zone et dont le coût des assurances maritimes a chuté et le coût de revient de la marchandise importée a chuté. Dans la zone D aujourd'hui, Cameroun, Gabon, Sao Tomé et Principe et Guinée équatoriale, nous ne payons plus ce surcoût des assurances maritimes pratiquement. Le problème est résolu. Voilà un exemple concret. Progressivement, ça va s'étendre à tout le golfe de Guinée.